Et bonjour à toutes et à tous, c'est Evojan, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ancestors of Humankind Odyssey, on est y par. Ok, nous voilà avec nos singes. Bon alors, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Je vous jure, ça fait une semaine, un peu moins que j'y ai pas joué là. Ouais, si, en fait, ça fait moins d'une semaine, forcément. Mais là, je tourne le lundi pour ce soir, donc c'est pas ouf. Du coup, je me rappelle plus du tout. Alors, ouais, j'avais été un petit peu... voilà, j'avais découvert ça. C'était... voilà. En fait, je sais même pas si on avait vu ça ensemble ou pas. Mais du coup, j'avais été dans la grotte et il y avait des trucs pas mal. J'ai fait des regroupements, j'ai trouvé des nouvelles pierres précieuses. Regardez, j'ai trouvé... Non, seul. J'ai trouvé une... alors là, le nom, on me demandait même pas. Hein. Je sais même pas ce que c'est. Mais c'était pas mal. Bah, ça nous dira pas ce que c'est. Bah allez, bah, tant pis. Mais une nouvelle pierre précieuse, du coup. On a perdu les deux émeraudes aussi, j'ai capté ça dans le dernier épisode. En même temps, je l'avais donné à un singe, j'aurais pas dû, quoi. J'aurais jamais dû. Et du coup, bah là, on va partir avec les deux petits singes. On va faire le tour des environs, tout simplement. Et ensuite, on va partir à l'aventure avec nos copains. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour partir à l'aventure? On va prendre une noix de coco. Hein. Comme d'habitude, j'aime bien la noix de coco. Puis on est parti. J'ai oublié de vous dire quelque chose, les gars. Regardez en bas à droite. Attendez, faut pas que je me trompe. Ah, let's go! Je suis un génie. Jamais je m'y ferai avec cette cam. Mais ouais, du coup, faut faire l'arbre de généalogie. Oh, j'arrive pas avec ça aussi, là, les neurones, là. Putain de singe. Faut que je fasse l'arbre des neurones. Parce que forcément. Donc, du coup, on va poser ça là, tranquillou. Ah, bah, j'ai... Oh, j'en avais déjà fait pour l'épisode. Je suis un génie. C'est bien, ce sera pour les autres expéditions. Allez, bref. On s'allonge, on va faire l'évolution. Parce que là, en dehors des nouveaux trucs, je crois. Pas beaucoup, hein, mais on en a. Genre, ça, on apprend tout, là. Hein, puisque l'arbre, il est à fond. Forcément. On va voir ce que c'est. Là-haut, c'est la... C'est la motricité, là, hein, je crois. Hein. Dextérité. Le taux de réussite d'une altération à l'aide d'un outil. Ouais, je sais pas trop ce que ça fait en plus, mais écoutez. C'est peut-être plus rapide ou plus simple. Il y a moins de chances que ça casse ou des trucs comme ça, peut-être. Assigner de l'énergie. Là, voilà, la motricité. Alors, motricité, on peut être bien. La vitesse de marche a déjà dans une peu améliorée, ok, c'est très bien ça. Là on aurait une bonne mutation génétique, ouais j'arrive pas. Une bonne mutation génétique avec le bébé. Là c'est l'essence, quand on appuie sur X et Y. La portée de détection de la source d'une odeur est améliorée. Ok. On va voir là. Je sais même pas là. Chimiopie là. Ok. Oui, le jeu. Chimiotopie. La même espèce est améliorée. Voilà, tout est améliorable. Donc, tout est bon dans le cochon. Hein. Ok, on a encore des nouveaux trucs, là. En bas, c'est la communication, hein, on le sait. Hein. Et là, c'est par rapport au nouvel arbre. Donc ça, c'est les, ouais, tout ce qui est cassage et tout. Côté des blessures dure plus longtemps, ça, c'est parfait. Oui, on va se faire une petite protection, là. Et métabolisme, encore remède préventif. Parfait. Tolérance au venin, ça c'est très bien. Ok. Allez, là on est parti. Alors je fais très attention. Par contre, c'est aux bestiaux qu'il va y avoir. Allez, là, la porte de la savane. Donc on voit un petit... Petite ouverture, et puis ensuite c'est la savane directement, donc hop, on pose ça, on prend ça, on mange. Et on sortir, allez. Donc, il y a quelque chose qui est important dans le jeu, il me semble, c'est qu'au bout d'un moment, on va avoir des sensations de chaleur. Et je sais pas trop encore comment on s'y protège, mais je pense qu'on en a... Ok. Je pense que juste avec la boisson et puis peut-être des plantes, on pourra peut-être se faire des habits ou je sais pas trop, hein, encore trop comment ça va se passer. Ou peut-être plutôt un remède, voilà, les remèdes ça marche souvent ça. Donc voilà, alors ici j'avais trouvé des buffles, franchement ça faisait fou l'Afrique, donc c'est, bah on est en Afrique hein, de toute façon, hein, le jeu se déroule en Afrique il me semble, et franchement c'est pas mal. Les petits buffles, tout ça, on va peut-être voir des girafes, ça va être un safari aujourd'hui. C'est moi qui vous le dis. Non, en vrai si on peut trouver un singe ou un truc comme ça, ils étaient ici les buffles. Regardez, ils sont là. Ah,
Alors je pensais qu'ils étaient gentils, mais ils sont pas trop gentils. Faut pas trop s'approcher, c'est un peu comme des facochers. Protection The Savon. Bon, je crois que j'aurai pas le temps. Vas-y, attaque-moi. Moi, je t'intimide, moi. Un buffle, bon, c'était ça. Ils sont pas si méchants que ça, hein, mais ils sont très gros, quoi. Ouais, tu me fais peur. Pas peur, pas peur. Après, si on peut découvrir un nouveau singe, voilà. Hein. Donc, je dis pas non. Oh non! Allez. On se retrouve après. Après avoir vaincu notre peur, waouh. Bon, c'était quoi cette nouvelle forme de ville? Oh, il y a de l'eau, il y a de l'eau. C'était ça, cette forme de vie? Je suis mort. Je suis un débile. Oh non! Vas-y, viens, 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 je te mets un coup de caillou. Vas-y, viens, vas-y, viens! Chier! Bah oui! Bah oui! Faudrait que j'ai perdu, toi. Ouais, je veux ma noix de coco là, elle est où? Non? Ma noix de coco? Ah, elle est là. Alors, ici, on a une nouvelle forme de nourriture. Alors. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Encore de la nouvelle nourriture. Alors là, on dirait. Je sais pas, moi. C'est des fleurs, oui. Des baies de Carissa. Donc c'est. Voilà, c'est de la merde. Ça donne rien du tout. Ah, le Machérodonte qui était en train de s'hydrater, là. Qui nous a fait très peur. Donc nous aussi, on va s'hydrater, là. On en a besoin. C'est toi, c'est un petit dodo à la plaine. Oh non, et notre jauge d'énergie, elle est déjà pleine. Eh ben. Bah oui. Bah oui. Encore, du nouveau. J'ai peur que le tigre revienne, c'est le truc. Du jujube. Ok, petite protection aux os en plus. C'est des hyènes, ça. Avec les hyènes pour rigoler. Attendez, faut les Y, ouais. Alors, c'est que c'est ça, c'est je pense à un petit endroit de la savane maintenant, on n'est plus dans la jungle, attention. Des cats. Les cats, bah c'est la bouffe, le piment quoi, le piment sauvage. Ok. Il y a eu un impact ici, peut-être de météorite, mais on n'a pas la météorite justement. Et ok, refuge des cats. Je pense que c'est la nourriture la plus folle hein, qu'on ait pour l'instant. Oh, des gazelles! C'est des chevreuils! On les intimide. Comme ça, ils vont m'attaquer. Bah voilà. Ah merde, on a peur. Regardez là. Je me fais attaquer. Je me faisais attaquer par quelque chose, je devais intimider. Vous le sentez le safran là? On dirait tellement une plante de safran, mais bon, c'est tout petit normalement, mais peut-être dans le temps c'était un boomerang. Oh, de l'aloe vera.
Alors ça, bon, c'est peut-être ça hein, pour les chaleurs. Est-ce qu'il n'y a pas un petit caillou quelque part là qu'on fasse de la... Attendez, non, non, ça j'ai déjà vu dans les vidéos. Yes. Faut juste l'altérer comme ça. Yes. Je suis un génie. Et ça, justement, c'est pour les chaleurs. J'en suis quasi sûr. Outils? Une sève d'aloe? Ah oui, ça s'applique, voilà. Ok. On va voir ce que c'est, hein. C'est du préventif, c'est du préventif. Voilà, température, bah je pense. Et 100? Ah oui, d'accord. 100% je dors là. Bah oui. Parce qu'il faut dormir aussi. Hein. On peut pas m'attaquer ici, on est d'accord. Ils sont anti-eus, anti-froid, anti-saignement. C'est bon, on dort jusqu'à 5 h tranquillou. Ensuite, il faudra retrouver de la boisson. Puis ensuite, on décalera notre clan, peut-être. Hein, si je trouve un endroit cool. Bah si, de toute façon, le but c'est de faire ça dans le jeu. Mais je vais peut-être changer d'évolution entre temps. Donc voilà. C'est bon. Tu mourras pas. Hein. J'ai stressé de ouf, mais tu mourras pas. Hein. C'est pas possible. Après, c'est un mauvais réflexe d'appui, bah, genre en sautant comme ça. C'est pour ça qu'il faudrait éviter de sauter, parce qu'en fait, si vous attaquez et que vous sautez en même temps. Vous... Quoi, je croyais qu'il y avait un rhinocéros. En vrai, il peut y en avoir, on est en Afrique. Hein. Je sais pas si dans le temps, ça. Bah, si, les rhinocéros, ça doit être vieux de ouf comme espèce. Oh shit. Voilà. C'est bon, je m'excuse, je suis désolé, j'ai mangé un de tes œufs, mais est-ce que c'est grave? J'étais timide, moi. Non? J'ai plus mon caillou! Je suis débile. Vas-y, on l'a refait. Round 2. Plume. Bah oui, mon bro. Ah oui. Oh. Je suis en train d'étendre ma portée là. Je suis tellement... Alerte. Bah oui, t'as cru quoi? T'as cru quoi, la hyène? Moi, je triomphe de ma peur en même temps. Revenez! Revenez! Je suis un fou. Je suis un fou. Eh oui, l'obsidienne, ça peut frapper une hyène, vous avez cru quoi? Vous avez de la chance que je sais pas faire des silex, je vous trancherai la gorge sinon. Ouais, mais après, ça serait moins de 18 ans le jeu. En vrai, on tue quand même des... En vrai, je sais même pas s'il y a un Peggy dessus. Je me suis jamais renseigné dessus. Waouh! C'est mignon ici, il y a plus aucune jungle où c'est qu'on était au début quand même. Il y a des petites. Il y a des chevaux! On peut monter les chevaux, vous pensez? Ok, c'est bon, on dégage. Oh, je suis en chaleur. Je suis en chaleur, regardez. J'ai très chaud, là. Il faut qu'ils se calment, les antilopes, hein. Attendez, attendez. Ouais, il y a une oasis. Je suis un génie. Par contre, ça gère pas mes problèmes de chaleur. C'est pas ouf, ça. Qu'est-ce que c'est que ça?
What the fuck? Attendez, juste c'était quoi ça? Pourquoi il y avait une... Ah, parce que c'est pas des ronces. Ah, ça m'a fait peur, mais en fait c'est juste des branches. Bon allez, il faut faire une petite protection à la chaleur là, parce que ça va pas le faire. Alors un petit Y pour ce petit oasis qu'on a découvert. Oh, on est déjà à 25 minutes de découverte là. Bon. Refuge des hauteurs, ah, ça c'est pas mal. On applique, on va s'en appliquer deux gentiment. On voit toutes les antilopes, tout ça, ça va être bon à chasser ça. Hop. On réaltère. Hop. On change de main. On applique. Bonne protection pour la chaleur ici. Ensuite, petite boisson, je pense. Plouf! Ça, Dieu sait que ça fait du bien. Ah, c'est pas ouf quand même pour notre clan. Après, en fait, on va être des nomades, hein. Je pense qu'on va vraiment plus trop... On va plus trop... On va plus rien faire, en fait, au final. Hein. Dans le genre... Notre clan est trop puissant quand on est plusieurs, quoi. Après, voilà, il faut des moments où c'est qu'on se repose, il faut des moments où c'est que... Voilà. Mais franchement, il n'y a plus rien qui me fait peur, quoi. Il y a juste ces ruches qu'il faut que j'arrive à prendre. Mais en vrai, ici, c'est, je pense, une très bonne... Le fait qu'il y a une zone là-haut, là. No joke. Mais voilà quoi, hein, là on va se rentrer au bercail gentiment. Puis voilà, hein, on va juste maintenant bouger en clan quoi. On n'a plus trop de quoi avoir peur. Et puis juste la chaleur qu'il faudra faire très attention. Mais sinon, en vrai. Après, on n'a pas l'impression de pouvoir aller plus loin que ça. Ah, peut-être là-bas. Ouais, là-bas il y a air. Parce que là, ça c'est chez nous et on va aller là-bas. On va rentrer au bercail gentiment. Et ensuite on va amener notre clan jusqu'à ici. Et on reposera notre clan ici pour la prochaine vidéo. Donc on se retrouve pour le grand déplacement. Ah, il y a le trou à sonder. Il n'y a pas une branche ici. Ouais, voilà, c'est bien. On va pouvoir tester un peu. On va tester ce que c'est ce jeu. Ah, franchement. Non mais les gars. Regardez, j'ai une branche. Ouh. Bah oui. Je passe ça. J'ai dit que je... Ok, on change de main, on pousse ça. C'était trop calme. Ouais, t'as ta courir, toi. Ouais, un scorpion, les gars. Ah, on n'avait jamais testé les trous ascendés. Ça, c'est bon pour l'évolution, hein. On a dit tout ce qui est bon pour l'évolution, il faut le faire. Hein. Mais je pense que je vais faire un bon gros... Alors ça, c'est le bon truc à faire, c'est genre l'altération du scorpion, regardez. Ah. Hop là, sur le bout du ming. Hop, on change de main. Et on mange. Ouais, ça, c'est les indigestions, hein, tout le temps. Ça donne rien d'autre. Bah super. Ah bah voilà, regardez. Attendez, pourquoi il y a des coquillages? Ah, c'est pas grave. Bon, ça se mange, donc c'est les trucs qu'on a déjà mangé, ça. Miam miam. Oh, un antivenin. Let's go. Bon bref. On va peut-être arrêter nos cochonneries. Puis on va reprendre...
On va reprendre nos biens. Ouais, c'était pas ouf. Au final, c'était vraiment pas ouf, quoi. Regardez, on dirait des lions, là. En retour. C'est bon, vous avez peur maintenant les hyènes? Bah ouais, cassez-vous. Cassez-vous. Encore un cheval. Vas-y, je vais le monter dessus, je m'en fous. Encore. Vous êtes encore là, vous. Mesdames, madame, mes et messieurs, dégagez de chez moi. Vous êtes invités à dégager de mon territoire, s'il vous plaît. Allez, on part. J'ai dit, on part. Les hyènes, putain. Oh là là. Ouais, allez. Vous irez voir ce qui... Vas-y, je vous rattrape au plus, hein. Je vous fous Oui, dégagez, dégagez. Bon, on a Bitoun. Nous. Salut les bros. Oui, allô. Déjà, on va manger notre coco, ça va faire du bien, c'est moi qui vous le dis. On reprendra l'autre pour le prochain rendez-vous. Attendez, mais vu que je suis en train de le manger, qu'il y en a une qui est par terre. Ils vont pas me la manger. Non, c'est brousseau gentil. Anti-venin, anti-poison, anti-tout ce que vous voulez. Ça fait toujours plaisir, hein, une bonne noix de coco. Bah oui, remède préventif, on est là. Alors, c'est un petit dodo que je propose. Celui-là, il va faire du bien. Ensuite, évolution, on est d'accord? Ensuite, on décale jusqu'à l'Osis, on se laisse, on change de génération au prochain épisode. On va loin, loin, loin. Ensuite, entre deux épisodes, je fais tous les triangles, j'essaie de faire tout ce que j'arrive à faire de nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, je vais prendre genre une pierre, je vais tailler le truc, ensuite je vais tailler le bout de bois, ensuite je vais faire des autres machins, ensuite je vais faire des autres machins. Ensuite, avec une pierre, je vais tailler une autre pierre, avec une pierre précieuse, je vais tailler une pierre précieuse. Et voilà, ça me permettra grâce à ça d'avoir des années en plus pour l'évolution. Et pourquoi pas monter de 2 millions d'années, je sais pas si ça fait beaucoup. Mais salut les singes, vous allez bien? On a soif? Allez. Oh, ce décalage, il va être quand même compliqué les gars. On va aller jusqu'à l'Oasis et là on va partir. Évolution avant. Ah oui, il y en a des nouvelles. Ben bien sûr que oui, il y en a des nouvelles. On fait que ça de notre vie, les évolutions. Évolution. Bon, ok. Bon, je vais appuyer sur A et pas sur B. Putain, attendez. Ah ouais, mais là... Et en même temps, la Switch, le A, il est à droite, il est pas au-dessous, du coup, j'ai mon excuse, ok? Vitesse de traitement de je sais pas quoi. J'aime bien pas lire, comme ça, ça fait, vous voyez, le petit suspense, ça monte. Puis après, bah, puis hop! Puis après, on sait c'est quoi. Même si on sait qu'à gauche, c'est les esquives, les trucs comme ça, déjà. Temps de réaction, ok, c'est nickel, ça, c'est nickel. Ça, voilà, on sait que c'est, voilà, à gauche, c'est un peu esquive, contre-attaque, c'est au-dessous, entre la communication et le machin. Donc c'est pas mal. Action et vas-y, vous avez compris? Vous savez lire les enfants, j'espère. Vous êtes des petits koalas, mais j'espère que vous êtes éduqués. Reconnaissance des formes, donc je sais pas, ça peut être quoi ça? J'ai pareil, je ne lis pas, donc on va voir. D'ailleurs, je le lis, mais après, bien sûr, vous avez compris les enfants. Pas un peu compliqué, hein. Il est possible d'identifier toutes les ressources de la même nature. Bon, ça, on le savait déjà, hein, de toute façon. Ah, les gars, j'ai failli faire une erreur, là. Allez, d'accord. Métabolisme. Oh, la Switch! Putain, gars! Oh, ça rend le pire truc, hein. Allez, hop, oh, oh, go! C'est bizarre, hein, quand je joue, j'arrive à avoir les trucs, mais là-dessus...
Yes! Ça, ça fait du bien. Et encore un là, ici. Ah là, tout ce qui est préventif là. Ça fait du bien. Hein. Aux empoisonnements. Allez, hop. On est quitte de s'empoisonner quand on mange trop vite. Ça, c'est super bien. Là, bah, il s'en est un, ça. Ah, sa vitesse de déplacement qui est améliorée. Ça, c'est vu. Vous inquiétez pas. C'est bon, on a tout pris. Ok. J'ai lâché un enfant, en plus je suis débile. Ouais, tu viens. Alors là, on va reprendre nos affaires, là. Un peu comme JJ et Dinaz. Bah ça, en fait, ça va être pour nous, donc on verra après. Hop. L'homme aux pierres précieuses. On va en refaire un, mais même si j'y crois moyen. Toi, tu seras l'homme aux pierres précieuses. Ok, allez, bro, regardez, on est où? On est à la porte de Savonne. Avec nos amis les petits collaborateurs derrière nous. Et avant, on est parti pour se diriger vers l'Oasis. Donc c'est un tout droit. On va juste... Hop. C'est là-bas. Ok, on a été loin. On n'a même pas la vision d'ici. Allez, bah du coup, on y va et puis on se retrouve là-bas pour terminer la vidéo. En vrai, on a un sale clan. Là, il y en a trois qui sont armés. C'est toi le singe qui t'est fait attaquer. Là, c'est le moment où on remplace et on rush. C'est bon, notre singe est vivant. Et on s'installe, voilà, on est parfait. Bon, ce singe a failli mourir mais n'est pas mort. On s'allonge tranquillou. On va se laisser là. La prochaine fois, on va changer de génération. Et on partira un peu plus loin. Donc, hein, on verra ce qu'on peut faire. On essaie de trouver une zone tempérée. Peut-être pas trop chaude ni trop froide. Parce que du coup, les déserts, il fait froid la nuit aussi. Hein. On voit qu'on a froid. Voilà. Hop, on va se lever à 5h. On a encore froid, hein, oui. Donc là, on a besoin de nourriture. Donc, la nourriture, il y en a ici. Dieu merci. On va s'empresser de manger beaucoup. Hein. Voilà, bon, faut que j'enlève tous les objets des mains des singes. Prochain épisode, on changera de génération. Et on verra ce qu'on va pouvoir faire. Donc, je vous laisse ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux comme d'habitude. Hein, comme vous voulez, pour me contacter ou des trucs comme ça si vous voulez. Et prochain épisode, bah voilà. On change de génération, il n'y a rien d'autre. Et puis, on fera encore de la découverte, bien sûr. Hein, y a plein d'endroits à découvrir. Hein, c'est vraiment énorme, on peut voir. Hein. Vous voyez, la jauge neuronale continue tout le temps et tout le temps et tout le temps à augmenter. C'est un truc de ouf. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, on se dit à la prochaine pour le prochain épisode et ciao !